Shalom, peuple de Dieu. Je crois que vous avez belé, vous êtes le prophète Paulin. Les lots où il y a le message, comme d'habitude, le lengzambe a pèse rabiso ba message. Et surtout que période où il y a une période où le monde entier est là. Alors les gens se posent tellement beaucoup de questions par rapport à épidémie oyo oyo d'ailleurs tu as omis bien encore déjà pandémie mais aussi zamba zoloba nini par rapport ya makambo yo ezotalisa tous les gars qui déjà na ba télévision to pesi ba message oyo ezotalisa penser en zambe par rapport ya oyo ezolekana et aujourd'hui encore une fois de plus nous sommes là bien aimé dans le Seigneur tozotanga d'abord verset moko na mukanda ya Genèse chapitre 6, à partir du 5e verset. Vous pouvez vous mettre ensemble, Totanga. Bible de l'Obaboye. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir créés. Selon verset Ototangi, vous devez comprendre que Zamba Zako se repentir. Pourquoi? À Salaki Moutou. Et à chaque fois qu'il y a un moutou, il y a la pensée à moutou et il y a un moutou. Et Zamba regrette. Zamba le bien pour la salle moutou. Donc, il y a un moutou qui est un ou bien il y a un moutou. Pourquoi Zamba se repentir? Bible est là que Azo se repentir d'abord na komona pensée ya moto que pensée ya moto za tellement ma be moto za na makanisi ya mabe kati na ye makamu nyoso za na kati na makanisi na ba pensée ya mosko ne bi makana ba acte dès que zo na ba acte moto zo poser ba acte ya mabe et lokonde e permettait ki zambe ayoka kanda a se repentir. Na lolenge nini ngai nzambe na sali mutu mais mutu nga na sali makambu mutu akomi ko sala mutu azo sala makambu des fois eza ko contredire onga na ibisei asala. Vous allez comprendre ceci mes frères et sœurs. Lorsque nous sommes sur la terre, Dieu nous donne une mission. Et même dans le jardin d'Éden, l'homme n'était pas appelé à tout faire. L'homme doit avoir des limites parce qu'il n'est pas le créateur. L'homme, c'est une créature de Dieu. Et lorsque Dieu a créé Adam, prenons d'abord l'exemple d'Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, il a placé Adam dans le jardin qu'on appelait Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu a placé Adam et Ève. Mais il ne leur pas avait autorisé de tout manger, de tout faire. Non. La limite qui intervient entre l'homme et Dieu, cela vient justement pour montrer que l'homme doit être na ba limite na ye. Zambé zambé a ko s'autoriser à cela nyonso, mais l'homme ne peut pas faire tout. Donc différence soit en linga qui tali samaké, ya zambé mutoza mutu. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Zamba sali mutu a pesia makoki. Salaboy, salaboy, salaboy. Mais oh, ko salate. Mais moutozo kende plus loin. Ya ko kende ko bouka mi beku na zambe. A kende ko sala voir même aux zamba pekisaki. C'était ça même le péché d'Adam. Il ne faut pas toucher à ça. Adam, mange tout. Touche tout. Mais sauf l'arbre qui était au milieu du jardin. C'est cet arbre qui cachait la divinité de l'Éternel. Et Adam n'était pas autorisé à le toucher, ni à le manger. Mais Adam n'a makalisé à mabe a kene ko simba interdit wana. Lorsque Adam simba qui interdit, Bible dit que Zamba silika ki. Adam mikuta ki bolumbu, Adam mikuta ki libande ya jardin et c'est là le commencement de tout. Même yomu tozo landa, yeba ke période tozali. Na tango ya Moïse, Zamba tamolo ki na peuple avec les 10 commandements.
Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ça ne faites pas. Ne touche pas ça. C'est... Donc, maintenant, Zambé, différence, il faut Ezala. Tu ne peux pas faire tout. Parce que tu as l'argent. Non, Dieu ne t'autorise pas. Des fois, il y a quelqu'un qui ne connaît pas. Tu n'as pas l'autorisation de tout faire. Donc, et vis-à-vis de l'Éternel, l'homme doit voir ses limites. Et si que Sengeli a soukela. Il a la limite dans la vie, il y a Adam. Mais Adam n'a pas supporté ça. Il est allé au-delà même, il y a la limite. Ce qui a poussé même. Divinité, il y a que Adam Mikuta, il a déjà déshabillé, il a Mikuta Bolumbu et il a une bande de jardin. Deuxième chose, je crois que vous avez vu sur internet ce qui s'était passé avant coronavirus EIA. Je crois que pour le moment, États-Unis, en matimo ming na ba tout kufa, toute la mortalité, na États-Unis, ils ont moins ming. Mais je crois qu'après États-Unis, c'est l'Italie. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'était passé en Italie? Il y a eu une grande réunion, un grand rassemblement des homosexuels. Donc, bah, tu as homosexualité, bimba qui est belé, avant Corona, il y a tellement est belé, bah, nous, comme ça, la manifestation na bango, retrouvaille na bango, et personne. Ça veut dire quoi? Donc, mon mona makamuneti oyo ezamabe, mais nous pensons que ezala kamalam. Au moins, mutoza nanzela, alors ça mabe le bien est allié. Donc, le monde a légalisé le mal. Le mal est devenu bien. Peut-être boala mubazolo na batuba sala, batuba osala ngote. Et toutes ces pratiques, ezala makuki akope sans zambe kanda. Et lorsque le Seigneur se fâche. Azana le lengue ya kukende ko corriger batu d'une manière ou d'une autre. Bandeko, nous avons expliqué aux gens, lorsque les gens nous posaient des questions, coronavirus ezay nzambe to ezay satan. Je crois que plusieurs fois nous avons répondu sur ça. Et où tu es pas nzambe to où tu es pas na satan. Écoutez, je vous donne un exemple dans la Bible. Il y avait un homme de Dieu qui s'appelait Élisée. Vous allez vous souvenir que Élisée un jour, azole le kanazela, bana ya mike, bazo banda ko ganga, parce que Élisée a botala ki na libanzi. Maintenant, comme azala ki na libanzi, bana mike bazo talaye, babani ko ganga. Élisée, libanzi, libanzi. Élisée a silika. Ko silika zo silika, c'était déjà toute une prière. Élisée zo loba, na pri, na kanda na ye, azole bake, ba ours bobima, donc c'était une prière. Baours, Babima, Baliaban. Bible, c'est le baké, Banyamaya Kanda, et Bimakana Zamba, et il y a Ban Nyon, ce basaki, qu'on sait qu'à Élisée. Est-ce que vous comprenez? Donc, Kanda à Élisée, à cette prière, il y a Mabé, mais Zamba, quand même. Zamba, le Missi Baours, na Zamba, Baye Bele, Babani Koliaban. Aux hommes, on a que Dieu peut se servir, na Nyamamo Koneti, ours, pour accomplir prière ya Moussel et Naye, Nandenge ya Mabé quand même, parce que Élisée était méchant. Moi j'ai toujours dit que ce n'est pas mon modèle. Notre modèle c'est Jésus-Christ. Bana ya batunyo soit na basila, bakufa, ourusende, et que nek kolia bana wanati. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu a fait une prière. Donc Zama kitimba la moko, a simbi li chète, a bana koukata bana ni toute, mais à se servir na nyama. Nyama wana nde abimi na zela ya Nzambe. Zambe ne mutu atini ba ours na demande ya Élisée. Après ba ours wani kokota bana mitu. C'est là pour vous dire que coronavirus est cause de la un virus fabriqué par les hommes. Mais le Seigneur est capable de se servir na coronavirus pour na corriger monde à cause ya iniquité, à cause ya masumu ebele o batuba sali na sena mokili. Dieu peut se servir na n'importe quel moyen. C'est un professeur de professeurs. C'est lui le prédicateur de tout le prédicateur. Il peut venir nous enseigner à travers n'importe quelle manière, quelle méthode, quel moyen. Il peut venir. Et nous, nous comprenons clairement, mes frères et sœurs, que cette histoire qui peut venir, ils ont ravagé le monde entier. Et vous, vous pensez que ce qu'ils ont appelé Kinzelate, cette histoire pouvait venir, Zambé a appelé Kinzelate, Yango est ravagé mon Kiliboy. Et ce qui est aussi grave, c'est pour la première fois, même s'il y a des virus, des épidémies, maintenant, comme on a une épidémie, il y a le lingot.
C'est pour la première fois que nous assistons à une pandémie comme ça, un virus qui vient, mais ils ont poussé voir même Batou, Bakuta na boyete, ba église e kangi, ba bar e kangi, ba hôtel e kangi, bisika non so makamuno so ba restaurant e kangi. Non. Ça, il n'y a que Dieu qui peut autoriser le kwaboya. Même ceux qui ont été pas à Satana. Mais il n'y a que Dieu qui peut approuver ça. Et lorsque Dieu va approuver cette histoire, il y a que il peut avoir mon intérêt na ye, na kati na iloko wana zambaza ko approuver. Alors, par rapport à ceci, la fois passée, j'avais fait une émission. Dans mon émission, je disais que nous devons maintenant passer par la repentance. La repentance, pourquoi? Parce que le monde est corrompu. Le monde est corrompu. Les habitants de la terre sont corrompus. L'homme est corrompu. Bible est dans la Genèse, chapitre 6, verset 5. Que pensée à Moutou, Ezakaka Namakamou Yamabe. Moutou a la pensée à Mabe. Makamu mutu azo sala eza makambo zamba imse kia sala te zamba zo sala mutu alobike mwasi na mwasi bakuki jame kobala na te aujourd'hui na mokili mwasi na mwasi bazo balan mobali na mobali bazo balan. Or c'est ce que Dieu avait interdit. Zambe na no autorise mariage à bongote. Maintenant qu'est-ce que nous remarquons na ba gouvernement nabiso, nous avons autorisé que mobali abala mobali, mwasi abala mwasi. Cela n'était pas au commencement, au début. Même dans le principe, Zambé a prévoir le quoi on était. Et Salim. Mes frères et sœurs, nous sommes allés plus loin, nous les habitants de la terre. Nous sommes allés plus loin. Il y a qu'autorisé, moi si, à Balanyama. Donc, on dit, Moutouazo, c'est le mariage, non, moi. Moutouazo, c'est le mariage, non, même. Non, Ngombe. Bazui Ngombe, Balatissier voile. Après, Moutouazo, c'est le mariage, non, Ngombe. Et. Toutes ces pratiques, je vous dis mes frères et sœurs, énervez Zambé. Zambé dans la kanda. Je vous dis, Zambé dans la kanda. Vous savez, kanda, ce que vous tuez pas dans Zambé, je vous dis quelque chose de très important. Et lorsque vous tuez pas dans Zambé, je vous dis, beaucoup de gens qui sont pasteurs, même 1000. Beaucoup de gens qui sont pasteurs, 1 million. 1 milliard de pasteurs, un homme de Dieu n'est pas autorisé, il y a Colombo la passe sa prière et le corps en Zambé mon quoi tinda quitté. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous savez, mes frères et sœurs, prière, tous ça, les prières, il y a que Zamba l'ongo la coronavirus. Si tu vois quelqu'un qui fait une telle prière, oh papa l'ongo la yango, non. Ce qui est la punition où tu es pas en Zambé à cause de la désobéissance de l'homme. L'homme de Dieu ne peut pas faire la prière que papa l'ongo yango, non. Mais l'homme de Dieu peut faire une prière, il y a repentance. Suivez-moi bien. Ce que l'homme de Dieu doit faire, c'est publier la repentance, la prière de la repentance, et que le peuple se soumette, que le peuple revienne au bon sens. Et que le peuple fasse aussi cette prière de la repentance, bah tu vas te repentir. C'est ainsi que Zamba Kolongo la Kandanaye, na Israël, plusieurs fois, lorsque Zamba Zoya, Azo Boka ba épidémie, Mkususia Mabe, Batmazo Koufa, nous avons vu des repentances publiques par David. Combien de fois, Batelema, Batelema offrande, Batata ba sac, Seigneur Longole Loko, Zambé Longole Loko, Bat David, Batala Yango. La prière que les hommes de Dieu, nous, la prière que nous devons faire pendant ces temps, oh le mot qui les a ravagés dans le coronavirus, ce n'est pas la prière, il y a que, bisous, toi, intimidé, Zambé, Seigneur, enlève ça, non. Nous n'avons pas le pouvoir. Il y a quoi le banazambé qui est le mot à le côté. Mais pourquoi d'abord Zamba a tchaki yango? A tchaki yango parce que, à mon avis, il y a mouton qui est débordé. Mouton, c'est la macamouza, mala mouté. C'est ainsi que Zamba cotise maintenant punition naïe. Et qui est l'homme de Dieu pour annuler une décision qui vient de l'Éternel lui-même? Personne n'a le pouvoir de le faire. Mais ce que nous sommes capables de faire, c'est que par notre canal, bisoto senga maintenant peuple de Dieu, na bisomoko to kota ma bon deli, ya koloba na Zambe longola coronavirus te, mais ya koloba na Zambe papa tondi mimbeba to salaki. Si tu es en train de me punir à cause il y a des obéissances, Nabiso, l'imbissa biso. Et lorsque Yemo comme Zambé, Mouto Monaki, méchanceté Nabiso, selon Genèse chapitre 6, verset 5, Amonique est aussi humilié.
Tomi Kiti ici, dans des chroniques, chapitre 14, 7, je crois. 7, 14. Alors, dans ce là-bas, Tosi Milia Tomi Kiti ici, bien aimé dans le Seigneur, je crois que il revient à l'Éternel lui-même. Il y a côté là maintenant, le lingue Moutouami Kiti ici, sur place, a décidé maintenant que nous avons stoppé l'épidémie, nous avons stoppé Mboula, nous avons stoppé misère. Donc, c'est à l'Éternel de le faire. La dernière décision appartient à Dieu. La dernière décision, le dernier mot, et toi, vous tendez pas dans Zambé, et pas à passer de mon côté. Alors, voilà pourquoi maintenant la repentance est très nécessaire. Je vous dis, à ce moment de ce virus, le moment où le monde est ravagé, moi j'appelle ça une catastrophe. Parce que vous savez, le point qui énerve, le point qui touche nos cœurs, c'est lorsque une pandémie vient, mais ça parvient quand même, il y a qu'au Kangaba église, église est fonctionnée. Vous savez que spirituellement, ça dit beaucoup de choses. Parce que l'église n'est-ce qu'un faux batouba qui met là. Si comme il dit, mais tu prier. Mais vous remarquez que l'autre permettre voir même que l'église est kangama. Pourquoi? C'est parce que même l'église elle-même, l'église en question, regardez ce que l'église a fait. La désobéissance dont il est question ici, même l'église, il y a eu des abominations même à l'église. On a vu des pasteurs qui ont fait des églises, temples et débauches. De par-ci, par-là, vous avez appris. Il y a même d'autres pasteurs. Tout ça, je vous dis, même l'église s'est mal comportée. Ils ont un temple, Moussous. Comment est-ce temple à Satan dans mes Bibles, les Awana? Voilà pourquoi maintenant, peu importe ma prière, ma sali, l'église aussi est fermée. Donc, c'est une interpellation que nous tous, nous devons chercher d'abord la face de l'Éternel. Alors, j'avais expliqué la fois passée, mes frères. La repentance doit commencer. La repentance est nécessaire. Mais comment cette repentance doit se manifester? Comment ça doit débuter? Comment on doit le faire? Cette repentance doit commencer d'abord, premièrement, avec le serviteur de l'Éternel. Ça doit commencer par la direction. Vous n'avez pas vu en Israël que David s'est repenti? Il s'est repenti plusieurs fois. Et nous, on croit qu'aujourd'hui, le pasteur est devenu Dieu. Non! Le pasteur n'est pas Dieu. Le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des hommes Dieu. Et là où nous aussi, nous commettons des erreurs, là où nous avons fait des abominations, nous sommes aussi en obligation. C'est un devoir de nous aussi nous repentir. Parce qu'il n'y a personne qui peut être égal à Dieu. Lorsque l'homme de Dieu a fait mal, lui aussi doit se repentir. Et à ce moment-ci, je vous dis, mes frères et sœurs, la repentance doit commencer d'abord avec la tête. Et la tête, la repentance sacerdotale, c'est une repentance qui doit commencer avec les hommes de Dieu, parce qu'eux aussi, ils se sont très mal comportés. Ils ont vendu de l'eau à l'église. Ils ont vendu de l'huile. Ils ont fait des miracles, mais des miracles vendus. Quand tu viens aujourd'hui pour compris pour toi, même si tu es malade, on te dit, tu dois d'abord passer là-bas, va d'abord le secrétaire, et tu vas chez le secrétaire, lui va te dire, ici, avant de décrire ton nom, tu donnes d'abord l'offrande du prophète, c'est combien? On te dit, c'est 5 $. Quand toi, tu viens avec une maladie, par exemple, tu es aveugle, tu passes au secrétariat, on te dit, ça c'est 100 000 francs congolais. Tu vois que la Bible nous dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi donnez gratuitement, mais nous, les pasteurs, n'est-ce pas que nous avons vendu la parole de Dieu? La parole de Dieu est gratuite, mais nous, dans nos églises, nous avons vendu la parole de Dieu. Nous avons vendu des miracles. Nous avons vendu même des prophéties. Quelqu'un qui vient, il va consulter Dieu, mais on lui dit, tu payes autant. L'offrande du prophète, ce n'est pas obligatoire, parce que tout le monde n'a pas l'offrande, tout le monde n'a pas l'argent. L'église doit être en mesure de recevoir n'importe qui. Mais aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, même les simples suivis ici, pour que le pasteur vienne chez toi à la maison, c'est un problème.
On rend visite seulement aux gens qui ont des moyens, des hommes qui sont connus, des partenaires, mais les indigents, qui peuvent s'intéresser d'eux? Personne. Donc, à cause de tout ça, les pasteurs doivent aussi demander pardon à Dieu. Le pasteur doit aussi se repentir. Je me répète, ils doivent se repentir. Pourquoi? D'avoir vendu la parole de Dieu, on a vendu l'huile, on a vendu des prophéties, et ces choses ont remplacé Dieu à l'église. Écoutez, Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous comprenez d'abord la condition pour être sauvé? La condition pour être sauvé, c'est le fait seulement de croire. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Dieu, il est Seigneur, il est Sauveur, si tu le crois, tu seras sauvé. Mais aujourd'hui, quand les gens viennent dans nos églises, on présente l'eau. Achetez ça, huile d'olive. Achetez l'eau. Donc ces histoires viennent nous guérir maintenant. Quand quelqu'un a un problème dans l'iboumou, le bafa est trois fois, mais la maille. Alors, c'est l'eau qui remplace la présence de Jésus dans l'église. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. N'est-ce pas, il y a des versets comme ça dans la Bible? Quiconque croit, qui confesse que Jésus-Christ est Dieu, il sera sauvé. Il sera guéri. Il y a un verset qui dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux-là qui auront cru. À mon nom, ils vont chasser même les démons. Attends ce qui m'a mêlé, il y a ma baie. On n'a pas dit, voici les hommes qui doivent courir derrière le miracle. Et c'est ce que nous voyons maintenant à l'église. Même la prédication, nous disons aux gens, venez chez moi, vous serez guéris. Venez chez moi, vous allez avoir de mariage. Venez, vous serez... Maintenant, les hommes, les gens viennent à l'église, non pour rencontrer Jésus-Christ, mais ils viennent pour le miracle. Donc les hommes commencent à courir derrière le miracle, alors que la Bible nous dit le miracle doit nous accompagner. Tous ceux-là qui auront cru en Jésus-Christ, le miracle doit accompagner ces gens-là. Dès que tu viens vers le Seigneur, miracle et zolandayo. Maintenant c'est le contraire. Bisonde tozo benga batu boya proposo miracle. Ata mutongwa zandumba, ata zamuyibi, ata nkutu andimela zambete, na nkutu apesa bomo inaye pa na zambete. Venez seulement tu seras béni. Venez seulement tu vas te marier. Venez seulement tu vas voyager. Venez seulement tu auras l'argent. Venez seulement. Comment quelqu'un peut venir et croiser le miracle? Il a même pas reçu celui qui fait de miracles dans sa vie. La repentance est très nécessaire en ce moment. Que l'homme de Dieu se repente. Que le fidèle aussi puisse se repentir. Na bamakamunyo sur ma beau sala. Obimana mobali abatu. Oyiba biloko entreprise. Ofingaka. Olongola bazemi. Tout ce que tu as à faire, bien dans le Seigneur, c'est ça aussi le moment. Ya kozonga kongimela nzambe na ndenge ya solo. Parce qu'il y a beaucoup de visions sur l'enlèvement. Beaucoup de visions. Beaucoup de visions sur l'enlèvement. Je vous dis, il y a beaucoup de... En ce temps de la fin, il y a beaucoup de visions sur l'enlèvement. Faites attention. Il se pourrait que le Seigneur arrive. Demain ou le lendemain. Mais est-ce que tu as déjà donné ta vie? Le Seigneur peut venir maintenant. Même ce soir. Est-ce qu'on a pris? Est-ce qu'on soit pressé vie dans le pays dans Zambé? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Nous avons des catégories. Quand nous parlons de la repentance, peut-être je fais allusion aux chrétiens qui l'autre fois, dans le cas chrétien,
ayebaka déjà en Zambé déjà zoté le ban en Zambé osala makamu nyonso mais après ayeko ko devier ayeko beta mali baku a zone suna mokili abandi vi moko ya ba boîte ya ba ambiance pona ye il faut à se repentir à zone en Zambé mais il y a aussi une autre catégorie c'est la catégorie ya bato kutu tisikoyo ye nanu kutu andi mela en Zambé te de ya vraiment za païen si païen penza. Donc, nous avons deux catégories. Ceux qui ont dans le païen, je te dis, c'est le moment où il y a un peu de Zambé. Luka, basal na Zambé, basal zinga zinga na yo, na quartier na yo, kende ko presa bombo na yo, et pa na yesu. Lobby est là, il y a lobby est pesa, mais il y a si nous risquons, mes frères et sœurs, yesu en causant dans lobby, et tu vas rater. Et lorsque tu vas rater le ciel, tu seras un candidat pour l'enfer. Mais je te dis, Dieu a encore besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Ata oboma, olongola bazem, ata oyiba, ata osalani, osala masturbation. Tout ce que tu as fait là, je te dis, si Jésus n'est pas encore revenu, même na pourquoi au. Soko oyo ki kaka mbela oyo. Moi je suis seulement un simple instrument. Dieu m'a choisi pour que na pèse un message oyo. Soko une décision na poko oyo. On dit mi ko pèse vie na yo pa ya Yesu. On dit mi Yesu na vie na yo lokola mokonzi pe mobiki si. Ata aye lobby okokota na lifelote, okokota na lola. Donc ça c'est un message très important. Mes frères, kosa lo lendo te. Ndeko moi si papa pe maman. Vérifiez bien. On vous a parlé de miracles. On vous a parlé yaka au Kobala. On vous a dit de tout ça. Mais ce que moi je viens de te dire maintenant, et ça problème ya que bilémonios selon Matthieu 24, et ça triste déjà que Nkolo a commis na zela. Mais s'il arrive maintenant et que les lois yé pour nos églises na yé yo kozala wapi. Est-ce que tu seras enlevé avec lui? Non. Si tu ne seras pas enlevé avec lui à cause de la débauche, de l'impudicité, de la haine, de la jalousie, à cause de la mauvaise vie que tu es en train de mener, je te dis, tu as encore la chance de recevoir Jésus-Christ maintenant. Tu as encore la chance de croire à Jésus-Christ maintenant. Tu as l'occasion. L'occasion est là. Pourquoi tu ne peux pas donner ta vie à Jésus-Christ? Matamno sur Salawana. Obimana mibali ya pembe, ya mwindu, ya mikuse, ya milayi. Ozo basinyo sur moki. Oyiba bambo, tu as fait tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que cela a apporté dans ta vie? Rien du tout. O sala nyo so sala. O kota na ba concert ya moki. O kota na ba boîte de nuit. O sala vi nyo so sala wana. O zwa et tombate. Il tombe à mon côté, Yosua. Mais c'est ça le moment. Ma colonne est comme une zéla. Bien, mais tozo beta tango, tozo le batozo toka, et ça pambate. Moukolowana, noa telemaka, noa zolo banabatu. Boya tosa la masua, kalamengi tembou les obeta. Noa telemaka, azolo banabatu. Boya, boya, tosa la masua, kalamengi tembou les obeta. Mboula soke beti et que bien ton côté déjà na masua yeba ke bantu ba kozala libanda ya masua ba kokufa mais bantu ba seka kinowe bantu ba yokela kinowe te bantu ba zo seka ba zo bala ba zo mela ba zo kende ba fête mais leur mboule betaka leur mboule betaka ba pesa kanowe raison mais c'était en retard. Pourquoi en retard? Parce que tous ceux-là qui avaient cru ma message à Noé, bah côté qui déjà n'a qu'à la masoua, bah côté dans la arche déjà, bah quand il bicouke, libanda, bah tsaka libanda, bah koufa, bah mognons. Et en ce temps de la fin, ce qui était arrivé au temps de Noé va encore arriver dans ta nabiso. On va conduire la yes, le combo cause, père mon bic ici, bah au côté lola. On va conduire la zambé tétile, le soke soye lobby, yoko kene lifelo. Passe, il n'a pas. Douleur, gloire, douleur. Éternellement, tu seras le candidat de l'enfer et tu vas souffrir, je te dis, tu vas beaucoup souffrir. L'occasion est là. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Tikavignon sur ma baie. Yamba Yesu, Nabo Moïnayo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes l'église Peniel. Oye Kambami, Naï, prophète Paulin. Tozana, avenue Syrie, numéro 170. Ce qui est soit zongité lobby et que ba fongoli ba culte
si vous avez besoin de ces prédications, les amateurs ont été avec Awa et Zali, ce qui boye, toko sam belana bino elongo, bozana mituna, numéro na bisou na sewana, bobenga bisou na WhatsApp, na Facebook, comme kaka prophète Paulin Bakajika, ou que trouver bisou, tu as une question, tuna yango, si tu veux aussi même la prière. Et Kaolingi, oui, en bas, c'est encore très important. Alors, pour ma cause, Wabiso, tout en avenir Syrie, numéro 170, na commune ya Bandalungwa. Au komikaka na Wenze ya Mola Rwana, au tourni avenir Syrie, bakotali sayoza avenir ya marché. Et bandina marché keti na maison communale, avant au kasana yinga. Et ceux qui ont commis wana, avenir Syrie, numéro 170, ne sika tozali. Alors, tokozalawana pona kosunga bino na ba prière ou lingi po sambela biso elongo tokosambela vraiment ensemble. C'est ça notre adresse na zo bandela pona yo moto na nokangi mala mute avenue Syrie numéro 170 na commune ya Bandalungwa. Référence na biso poko malamu ezali Wenze ya Molar. Soko komi wana tokoyamba yo tokosambela elongo na no yamba Yesu te benga biso na numéro ezana se wana okoyamba Yesu okopesa bombo na yo epai na Yesu et je crois que Dieu va te bénir abondamment, tu seras vraiment béni. En dehors ya télévision boye bokozo biso même na Facebook. Page na biso ya Facebook ezali prophète Paulin Bakajika. Soko komika kana Facebook na recherche okomi prophète Paulin Bakajika okozo page na biso okosabonner. D'autres personnes soko lingolanda Mateo oyo ozana poso télécharger yango na YouTube, chaîne YouTube na biso tokomi na kombo ya prophète Paulin Bakajika. Donc sur YouTube, ce qu'on commence à prophète Paulin Bakajika, on peut s'abonner à la chaîne YouTube Nabiso, on commence à colander ma prédication, non sur colander même après hoy. Ce qu'on a raté prédication, on peut na YouTube, on peut récupérer yango prophète Paulin Bakajika sur YouTube, voire même na Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.